Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour la deuxième seed, on est lundi début de semaine, voilà encore 4 seeds à voir, et on perd pas de temps, on fait créer un nouveau monde, hop, on va aller voir la seed, je vous le donne en 1000, de Mighty Box. Donc toujours pareil, créatif, plus d'options, c'est dans la graine qu'il faut absolument mettre le nom, et on fait créer un nouveau monde, c'est parti. Ok, bon bah c'est caché dans un arbre que j'appellerai, tout simplement. Donc là déjà c'est pas du tout le même environnement que la première seed de vendredi dernier. Là on est clairement sur un bord de mer, hein, avec un petit coucher de soleil sur le bord de mer. D'ailleurs je pense que je vais mettre le temps à midi, parce que sinon on va pas être tranquille la nuit bof bof. Hein. Alors ce que je vais faire c'est que je vais repasser comme ça, je vais à nouveau... 32 blocs, hop, et on va partir de l'arbre, c'est pas grave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ok, alors déjà on avait un petit bout de marais là, donc ça c'est plutôt sympa, à côté d'une grosse bosse, c'est sympa aussi. Franchement, le paysage est top. Hein. Là, hein, la vue, waouh, oh là là, c'est quoi ce truc là-bas? Bah, là-bas, il y a sûrement un gros massif en plus, de l'autre côté de la mer. Peut-être un bout de désert ou une grosse plage par là. Ah, alors ça, ce serait une bonne nouvelle, j'ai l'impression de distinguer un village là-bas. Ce qui va nous manquer peut-être, c'est une grotte, mais on pourrait la creuser dans cette colline, voilà, par rapport à ce que j'ai évoqué vendredi. Donc un marais, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux, et il y a un mouton marron, ça c'est le hasard. Mais voilà, beaucoup d'animaux, ça c'est cool. Donc relativement intéressant. Donc un petit tour dans le sous-sol très rapide, comme vendredi, juste pour se donner une idée, pas d'exploration, hein. L'idée c'est vraiment de vous présenter la seed succinctement. Juste voir s'il y a des trucs particulièrement originaux dans ce sous-sol, bah non, plein de cavernes comme d'habitude, une méga caverne je pense par là, mais sans doute pleine d'eau. Oui, je vois beaucoup d'eau un peu partout, donc sûrement des cavernes inondées. Ok. Là, il n'y a pas de caverne luxuriante. Là, je vois des trucs rectilignes, donc il y a peut-être un mineshaft tout en bas. Oh, on dirait presque qu'il y a déjà un joueur qui est venu miner là-bas. Mais non, on vient de lancer le monde ensemble. Voilà, donc rien de foufoufou dans le sous-sol. Voilà, on repasse en créatif. Bing. Comme pour l'autre, on va se déplacer un tout petit peu pour voir un peu plus loin quand même. Voir un petit peu ce qu'il y a. Et bah oui, il y a bien un village, vous le voyez sur la droite. Donc voilà, là au moins on sait où sera le premier village. Ça peut être une seed sympa pour le concept, hein, puisque là dans ce petit repère-là, on pourrait faire du coup l'hôtel de ville avec la grotte, voilà. Tout ça, oula j'ai un rollback. Et puis aller faire la colonie tribale, la première colonie tribale là-bas. Voilà, au moins on sait où est le premier village. Là je sais pas bien, c'est de la forêt, hein. Ok, par là, c'est de l'océan. Rien de spécial dans l'océan. Non, il n'y a rien de spécial dans l'océan. De l'autre côté, des dauphins. Salut les dauphins. On va quand même essayer de distinguer un peu cet énorme truc là. Parce que là, on le voit vraiment de façon bizarroïde. Ouais, ça reste bizarroïde en fait. On va aller le voir. Parce que là, je suis curieux. Je suis curieux de ce truc là. Ah oui, c'est vraiment un truc de foufou ça. Là, c'est de la génération Minecraft dans les pires délires qu'elle est capable de faire. Là, waouh. C'est les falaises d'Étretat, mais toute seule. Enfin, juste la petite aiguille à l'envers. C'est vraiment mal généré. Soyons francs, c'est pas beau. C'est pas beau. Par contre, ça pourrait donner des idées de build médiévale fantastique, très fantasy. Je vois qu'il y a une épave abandonnée aussi dans l'eau. Beaucoup de plaines ici, ça c'est intéressant par rapport au concept. Vous comprendrez, hein, des tortues, tiens, je viens d'apercevoir. Faut que je retrouve mon petit pilier, là. Hop. Voilà, donc je l'ai dit, hein, plein de moutons avec un mouton marron. Là, il y a des... Ah, là, il y a... C'est pas une caverne, ça, c'est pas une petite grotte, hein, mais... Et c'est quoi cette forme tout arrondie, là? C'est très bizarre. Ah, ça fait de la génération bizarre, des fois. Alors là, pour le coup, ouais, on a une méga grotte de chez méga grotte. Oups, je suis passé dans l'eau. Ah oui, de chez méga grotte. C'est plus une grotte, là, c'est une caverne. Hein. On n'est plus sur de la petite grotte. Voilà, est-ce qu'on aurait une petite grotte pour débuter le jeu? Je vois rien, mais comme je disais, on pourrait imaginer débuter la partie, pourquoi pas, en allant ici, et ici faire une entrée de grotte, quoi. Voilà, donc quitte à assécher d'ailleurs ce petit bout-là, hop, qui mène dans des galeries inondées. Ah bah là, il y avait une belle grotte, faudrait juste la sécher en fait. Ça aurait pu faire un bon spot de départ s'il n'était pas inondé. Ça peut être un challenge de départ, hein. Se dire, bah tiens, on va... Oh, un bébé. On va assécher tout ça. Voilà, ça commence fort si on part là-dessus. Mais en tout cas, voilà, petite présentation rapide à nouveau. Hein, on va pas faire des épisodes très très longs hein, sur les présentations de seed, évidemment. Donc vous aurez des petites pauses, des petites vidéos pendant ces pauses de midi. Alors que la lune se lève, magnifique, le soleil se couche de l'autre côté. Quand même, pour que la vidéo dure un minimum, j'irai bien voir le petit village. Juste pour voir comment il est généré. Si je le retrouve... Il était où? Il était si loin que ça? Non, il est là. D'accord, il est généré encore comme n'importe quoi, pour le dire gentiment. Puisque... alors, il va faire nuit, c'est pas grave. Il est généré à moitié dans une grotte. Alors, des fois, quand ils font ça, non, il y a de l'eau, donc ça va pas générer dans l'eau, quand même. Il n'y a que le chemin qui est dans la grotte. Oh, elle est magnifique, cette lune. Magnifique. Ça, c'est les shaders. Ah, mais ouais, cette génération chelou, là, je crois qu'il devait arrêter tous ces trucs-là, là. On a des trucs un peu foufou là. Pas mal d'animaux aussi ici. Voilà, alors dans l'idée, peut-être qu'on rasera complètement le village au début pour qu'il soit comme nous, âge de pierre, âge de pierre. Alors, une belle caverne encore par là. Allez, on va remettre le midi. Hop, qu'on y voit un peu plus clair quand même. Encore un mouton marron, décidément. Maintenant que je les cherche plus, j'en trouve partout. C'est normal. Des chevaux particulièrement originaux dans leur teinte, dans leur robe. Ok, bon bah voilà, je pense que vous avez un bon aperçu de cette seed là, la seed de MightyBlocks, avec un village pas très loin, même s'il est généré à l'arrache, et de la génération plus qu'à l'arrache là. J'ai l'impression qu'il y a une forêt de bouleaux là-bas. Voilà, et ça doit être une forêt noire ou une forêt tout court, je sais pas trop. Voilà, et bien en tout cas, c'est la deuxième seed, encore trois, et vous ferez votre avis. On passe demain, si vous le voulez bien, à la troisième. Portez-vous bien, ciao ciao. Thank you.